Bonjour les chéris. Bonjour à tous les chéris. Surtout d'Espagne, Portugal, dans l'Aude. Je ne peux pas rajouter grand-chose par rapport à tout ce qui a été dit sur ces intempéries, tornades. En tout cas, oui, ça ne peut pas laisser indifférent. Alors, vraiment, je compatis à toute cette douleur, tous ces effondrements humains, matériels. J'ai vu la vidéo de Benoît, de la famille Benoît et Michel, dont je vous ai permis de faire connaissance. J'ai vu sa vidéo de proposition d'aide et ça ne m'a pas du tout étonnée de lui. C'est quelqu'un de foncièrement généreux et je trouve ça vraiment merveilleux. Il est 9h15, il fait beau aujourd'hui, après la pluie, le beau temps. Après la tempête, le beau temps, toujours le beau temps revient. La nature reprend ses droits, les canards, les oies là, sont en train de batifoler, je ne sais pas ce qu'ils font. En tout cas, ça braille bien. Et je vais aller me promener. Je démarre la journée en marchant. Hier, je ne l'ai pas fait, il pleuvait trop. Je suis restée au chaud dans Coquelicot. Donc là, promenade. Il est tard, 9h15, mais bon, le soleil se couche plus tard, se couche plus tôt. Donc les promenades, c'est beaucoup plus tard. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça fait du bien? C'est très joli. Par contre, une petite mise en garde. Sur l'aire de camping-car, c'est une aire quand même très très fréquentée par les camping-caristes, vannes, fourgons, etc. Donc il y a un escroc qui sévit. On a été bien confirmé par un des youtubeurs, un des abonnés. Et donc il vient vers vous en vous demandant, en vous disant qu'il a payé 4000 euros d'amende parce qu'il est chauffeur routier portugais. Donc il a payé ça à la police, que maintenant il n'a plus de carte bleue, je ne sais plus quoi. Je ne me souviens plus trop parce que bon. Et donc il vous demande 9 euros pour prendre le train pour retourner au Portugal. Et tout le pipo autour qu'il fait. Donc attention, ne vous faites pas avoir, hein, parce que la police vient de temps en temps. D'ailleurs, ils ont fait un peu le ménage dans des camping-caristes poids lourds avec remorque. Ils étaient garés un petit peu trop généreusement, qui prenaient trop de place. Mais ce genre d'individu qui sévit auprès des touristes, ça, ils doivent avoir beaucoup, beaucoup de difficultés à les attraper. Donc, si jamais vous venez sur cette aire de camping-car, hein, de toute façon, il n'y en a qu'une. Donc, gratuite, avec vidange, etc. Ne vous faites pas avoir s'il n'a pas toujours pas été arrêté. Un endroit bien sympathique. Des hommes, des femmes marchent, courent. Les femmes beaucoup en groupe et ça papote. Et là, tout le long, j'aime beaucoup, ça me rappelle Bordeaux, bien sûr. Le bord des quais avec plein de terrains de sport, plein de choses très très jolies, très agréables. J'aime beaucoup le matin pour ça. On croise tout le temps beaucoup de gens dans les bons endroits, dans les bons spots, pour marcher, pour trotter. J'aime beaucoup. Eux aussi ont repéré le bon spot. Il y en a vraiment de partout. Bravo à vous d'avoir repéré cet endroit. Endroit aussi pour s'entraîner. Ben voilà, hein. Il y a deux personnes qui font du sport là, super. Je ne sais pas combien j'ai marché, j'en suis à mon troisième pont.
J'ai quitté en face la vieille ville. Là, je suis dans la ville beaucoup plus moderne, du moins en face. Non, non, je n'ai pas envie d'aller mettre mes pieds par là-bas. Du tout, je suis mieux dans la verdure. Verdure urbaine, mais verdure quand même. Et toujours autant de monde. Je reviens de ma marche et qui je vois? La voisine qui va sortir une petite chose à quatre pattes. Bonjour Domino. Tu dis bonjour? Il y a plein plein de monde qui se balade, c'est super, j'adore. Mais en plus le parc là il est très 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 beau. Je suis Oui, il y a plein de balader choses de autrefois là. sport et tout, c'est vraiment très très bien. C'est très bien. Bon, je me remets un peu là parce que je me suis bien blessé les pieds, j'ai des Purée, tes super pieds derrière sont ampoules. dans un état lamentable. Oh, plein de sang, elle coule, le sang il coule comme Arrête! Arrête, c'est ça. rien! C'est rien, ça va, je vais me soigner, je vais mettre des pansements. C'est pas très beau, quoi. Non, c'est pas beau. C'est toujours la peau qui est râpée, c'est rien. C'est rien du tout. Mais ça, bon, il y en a certains qui l'ont remarqué. Et là, je paye les conséquences. C'est pour ça qu'il y en a qui me disent, oui, tu m'incites, tu m'incites. Oui, mais je dégonfle aussi des pieds. Du coup, ben, je nage dans les chaussures. Donc, ben, je me blesse. Voilà. Ça frotte et puis voilà. Et pour info, je nage aussi de plus en plus dans mes pantalons. J'en ai ras-le-bol. On dirait un clown qui est toujours en train de ramasser à la taille ses pantalons. J'en ai marre de mincir. Voilà. Bon, la journée démarre bien. Allez, va. Il fait beau. Retour du soleil, On donc a, comme je disais tout à l'heure, on a vraiment de la chance parce que on n'a pas été trop touché non. là. Quand on voit par rapport aux autres là, les Oui. dégâts que ça a fait sur les côtes portugaises et même à l'intérieur des Espagne et terres, l'Aude, l'Espagne l'Aude, et en... puis la France, une ouais, grande partie de la franchement, France aussi, on a eu la ouais. chance. Hein. Là, On a eu la j'espère chance. que parmi tous nos chéris, nos amours, je disais tout à l'heure, personne n'a été touché Ouais. parce que, ou matériellement ou humainement, Ouais. hein, et parce que là, vraiment, ça fait mal, ça fait très très mal. Allez, Ouais. Bon, allez. show must go on, Petite comme balade. disait notre cher Freddie Mercury. Allez. Eh ben écoute, hein. N'importe quoi. Ben, on est un show à la vie, c'est bien chaud, plus ou moins rigolo. Allez, alors je vous signale que je vous fais même pas voir comment je suis habillée parce que je ressemble à rien, mais à rien. Et regardez, Crissa, de bon matin, Bah oui, toute belle, pour toute cacher la misère, pomponnée. justement. Elle cache la misère. Voilà, elle va faire sa petite princesse au bord de l'eau avec les canards, les oies et tout. Ciao! Ciao, ciao, Bella! Et après le départ de Domino, Cassie se balade également. Voilà. Pas de souci pour les voitures. Je préfère ne pas me faire du souci à l'avance. Je sais qu'elle a peur des voitures. Cassie, qu'est-ce que tu penses de cet endroit? Ça te plaît, cet endroit, Cassie? Après la pluie d'hier?